Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans l'émission En marchant sur les traces des poilus, aujourd'hui consacrée au froid. On entend depuis quelques jours aux informations, d'ailleurs on ne parle que de ça, du froid, le froid et encore le froid. Certes, nous sommes en hiver, il faut bien le comprendre, il fait froid aujourd'hui, mais il faisait sans doute encore plus froid en 1914. D'une manière générale, les hivers jadis étaient nettement plus froids que ceux d'aujourd'hui et duraient beaucoup plus longtemps. On parlait de semaines et de semaines et de semaines de froid dur, surtout dans nos régions, bien sûr. Et il faut dire que ces braves soldats qui ont commencé la guerre en été, ils se trouvent piégés justement par cet hiver qu'ils n'attendaient pas. Car il ne faut pas oublier que la guerre devait être courte et qu'à Noël, tout le monde devait être chez soi. Hélas, ce ne fut pas le cas. Alors, parlons de l'équipement du soldat de l'époque. Vêtu de la capote modèle 1877, certes, elle avait deux rangées de boutons qui permettaient de cloisonner, bien sûr, le tronc pour avoir plus chaud l'hiver. Mais il fallait parler aussi du pantalon, fait de la même matière, de drap de laine. Et puis, les brodequins, modèle 1893, en cuir, qui étaient parfois rigides, pas confortables du tout, que les poilus même rechignaient à chausser d'ailleurs. Et puis les guêtres de cuir, qui n'étaient pas assez nombreuses et qui furent remplacées bien sûr par ces fameuses bandes molletières de 1,50 m qu'on n'en finissait pas d'enrouler au matin et de dérouler le soir. Et à l'intérieur du corps, entre le corps et la capote, pas grand-chose. Le maillot de corps, une chemise, voire même un gilet, c'est tout. Donc le poilu, du moins le soldat de 14 et de 15, était mal, disons, fagoté. Alors, ils en sont venus à quoi ? Ben, au système D, pour supporter ces frimas rigoureux de l'hiver 14-15, et ceux d'après, bien sûr, eh ben, ils écrivaient. Ils écrivaient à qui ? À leur épouse, à leur parenté, ainsi de suite, à leur marraine de guerre, de faire venir en urgence des colis pourvus d'équipements, des chandails, des pulls, des cache-cols, des écharpes, des vêtements à peau de mouton, même des pantalons de velours. Et bien sûr, des chaussettes, car ils n'avaient pas assez de chaussettes. Et tous ces équipements-là, donc, les poilus les revêtirent, et c'est ce qui donnait justement un peu, pas beaucoup d'uniformité, disons, dans les tranchées, mais qui était toléré. Car un combattant qui a froid ne combat plus. Mais un combattant qui a beaucoup plus chaud, qui est beaucoup plus à l'aise, continue à être, disons, aguerri. Oui, bien sûr, dans ces colis, il y avait certes des effets chauds, mais il y avait aussi quelques petites victuailles, comme le petit pot de confiture, le chocolat, le saucisson, parfois le fromage. Et puis, il y avait aussi ce que les poilus attendaient par les grands froids, les petites fioles, les petites bouteilles de gnôle, comme ils appelaient ça dans ce temps-là. Et chaque poilu, selon les régions dans lesquelles il résidait, c'était quoi ? Ben, c'était le mar de Bourgogne, le Calvados, la poire, pour nous ici dans notre région, la Mirabelle, le Genièvre pour les gens du Schnorr, et ainsi de suite. Et lorsqu'ils déballaient leurs colis dans cette tranchée refroidie, gelés, ben, ils partageaient leurs victuailles, ils faisaient connaissance avec les nectars de leurs voisins, de façon
à ce que tout le monde soit un peu plus heureux pour un court instant, n'est-ce pas? Alors, pour revenir au froid, en règle générale, pendant la Grande Guerre 14-18, c'est vrai que les hivers étaient rigoureux. Mais il y a deux années qui sortent un peu du lot, c'est l'année 1916 qui est reconnue très pluvieuse, et l'hiver de l'année 16-17 qui est reconnue, elle, plus rigoureuse en matière de neige, en matière de gel, et donc d'inconfort. Alors, pour revenir sur l'équipement du soldat qui combattait dans les tranchées, parce qu'ils se sont enterrés dès la fin de l'automne, donc il fallait tenir nuit et jour dans ces excavations de terre, où ils creusèrent des sapes, des cagnas, des abris, justement pour combattre finalement ce froid rigoureux. Et puis, ils ont eu donc l'idée aussi de confectionner des brûlots qui, avec l'autorisation bien sûr des officiers, allumaient des feux de bois à l'intérieur pour se réchauffer, à condition que la fumée ne soit pas, disons, un vecteur de repérage. Comme le décrit si bien donc cet écrivain combattant, Gabriel Chevalier, lorsque son livre « La peur » est sorti en 1930, il parle beaucoup des Vosges parce qu'il était affecté dans les Vosges. Notamment, il a combattu au Linge et au Hartmann-Wilerskorf, plus communément le vieil Armand, où lorsque les températures étaient vraiment négatives, il parle même du moins 20, sur plusieurs jours, sur plusieurs semaines d'ailleurs aussi, lorsqu'il prenait son fusil à main nue, la plaque de couche, donc cette partie métallique qui est en dessous de la crosse, elle collait aux mains, elle brûlait même la main. Donc ils avaient du mal à saisir leurs armes, ces braves soldats. Ils parlaient même que le pain était congelé, immangeable, puisque pas coupable finalement, ou alors avec une scie. Donc, cet écrivain combattant, comme Maurice Genevoix, comme Blaise Sandard, comme Roland d'Angelès, disons, ont connu ces misères-là. Et ils savent de quoi ils parlent. D'ailleurs, si je continue un peu à parler de lui, de cet écrivain décédé en 1969 et né en 1895, son roman qui raconte la vie, la vérité, a été interdit en 1939, dès la déclaration de la Seconde Guerre, parce que il est resté soldat, simple soldat, pendant cette Grande Guerre. Il n'a jamais monté en grade. C'était un soldat, disons, particulièrement défaitiste et, disons, critiqueur. Vous m'avez compris. Dans le sac à dos de l'époque du soldat, il n'y avait pas de gants. Ça n'existait pas. Il a fallu aussi que s'en procurer par l'intermédiaire des familles. Contrairement à l'équipement allemand, qui lui était déjà plus, disons, confortable. Ils avaient déjà une vareuse. Une vareuse par-dessus laquelle ils mettaient une grosse capote, en drap de laine aussi, bien sûr, qui renforçait, disons, les couches vestimentaire pour combattre le froid. Sous leur casque à pointe, ils avaient une sorte aussi de passe-montagne qui renfermait donc les oreilles jusqu'au cou. Et puis ils avaient des gants, chose que n'avait pas le soldat français. Alors, pour combattre aussi le froid, ayant recours au système D, qui est souvent employé au sein de nos armées, encore aujourd'hui d'ailleurs, pour se protéger du gel, surtout pour les pieds, il les graissait également, car il faut savoir qu'il y avait un pot de graisse à titre personnel dans les sacs à dos pour graisser justement les cuirs des brelages. Et ces poilus graissaient également donc leurs pieds avant d'enfiler les chaussettes, emballés quelquefois aussi avec des chiffons. Et puis, il y en a certains,
s'ils avaient eu le bonheur de trouver de la paille, qu'ils mettaient donc de la paille entre le maillot de corps qu'on appelle aujourd'hui t-shirt et bien sûr la chemise. Donc pour isoler, pour donner une couche supplémentaire pour combattre cette froidure infernale de ces hivers terribles de la guerre 14-18. Alors, ce manque d'équipement, finalement, les poilus le dénoncent. Il y a un vent de mécontentement déjà en 1915, il faut le savoir, par rapport à ça. Tellement que les officiers, eux aussi, qui vivent avec eux, se disent quand même qu'ils ont raison. Donc, il faut savoir que dans une tranchée, la vie est partagée du soldat de deuxième classe jusqu'au grade de capitaine, pratiquement. Au-dessus du grade du capitaine, c'est déjà un peu plus à l'arrière. Je ne veux pas dire que ce sont des embusqués ni des planqués, comme on pourrait le croire, mais ils ont, disons, plus d'occasions de se réchauffer et de se mettre à l'abri. Je ne parle pas des états-majors, bien sûr. Vous m'avez compris. Alors, ce vent de contestation arrive justement jusqu'aux parlementaires, finalement. Ça croît à tel point que des journalistes rapportent justement ce qui se passe dans les tranchées. Et ça atteint certains parlementaires qui vont créer à l'Assemblée nationale, en mars 1915, une sous-commission justement chargé d'améliorer la vie dans les tranchées de nos braves soldats. Alors ils vont s'attaquer à l'hygiène, parce qu'on ne soif pas tous les jours, surtout lorsque l'eau est gelée. Ils ne changent pas tous les jours de chaussettes non plus, donc il va falloir penser à l'équipement, penser donc à leur fournir plusieurs chemises chaudes, et ainsi de suite. Donc pensez à des équipements autres qu'ils n'avaient au départ. Pensez au ravitaillement justement aussi de l'alimentation, de façon à ce que l'alimentation soit très importante à l'époque, parce qu'il faut des calories, mais qu'elle ne soit pas trop carnée, car manger que de la viande, le corps peut en être pratiquement dégoûté, écœuré, et ça ne peut pas convenir toujours à la santé. Alors, ils prennent aussi en compte tout ça, ces parlementaires, qui a été créé et qui travaille sous l'égide d'un certain Léon Bourgeois, parlementaire et médecin. Alors, cette commission est formée de qui? Eh bien, de gens, justement, qui ont affaire à ce domaine d'hygiène et de santé. Beaucoup de médecins et beaucoup de pharmaciens. Donc, ils planchent à tel point qu'ils évoquent des solutions pour améliorer justement la situation de ces soldats. Et puis émerge finalement une solution un peu farfelue. Pourquoi pas créer des jardins à proximité des tranchées pour cultiver des légumes afin de varier l'alimentation des soldats. Ça me fait un peu sourire quand ces gens-là ne savent pas de quoi ils parlent. Ils n'ont jamais été voir sur le terrain ce qu'était la guerre, ce que faisaient nos braves soldats. Ils s'imaginent peut-être que c'est un camp de vacances, tranquille, où un coup de feu est tiré de temps en temps peut-être. Mais pensez-vous que c'est réalisable, un jardin à proximité des tranchées? Je ne pense pas. Le bombardement incessant, les assauts fréquents, donc c'est impensable donc, de créer ces jardins comme il était annoncé à cette sous-commission donc chargée d'améliorer la vie de ces gens-là. Alors, les soldats, au fur et à mesure, s'équipent, et quand on voit, par exemple, un soldat revêtu d'un pantalon de velours, c'est presque normal, quoi, disons. Car il faut savoir que ces pantalons de velours sont venus aussi équiper les territoriaux, non seulement par le froid, mais c'est parce qu'il y avait un manque d'uniforme. Donc les pantalons de velours
remplacer le pantalon bleu horizon. Au moins des troupes de première ligne, au moins pour les territoriaux qui n'étaient pas avec les troupes de première ligne. Donc voilà à peu près l'histoire aussi de ces fameux pantalons. Et de fil en aiguille, les choses donc se sont quelque peu améliorées, mais pour combattre le froid, vaut mieux rester chez soi finalement. Hein. Alors, les poilus, avec le bleu horizon qui est arrivé, ont eu beaucoup plus d'équipements quand même pour se protéger du froid dans les hivers à suivre pendant la Grande Guerre. Pour expliquer le ressenti du froid par les poilus, c'était surtout les extrémités qui étaient gelées, les doigts et les pieds. Le visage passait encore, le nez également. La barbe, disons, givrée, c'était, disons, ça faisait partie du paysage. Mais avoir froid aux mains et avoir froid aux pieds, c'était terrible. Comme je disais tout à l'heure, tenir les parties métalliques d'un fusil, c'était pas, disons, du bonheur. Hein? Car pour pouvoir utiliser son arme, convenablement, avec des gants épais, on avait plutôt du mal à positionner son fusil, à le tenir et surtout à tirer. Donc bien souvent, pour les droitiers, bien sûr, et même pour les gauchers, donc c'est souvent qu'on enlevait un gant pour pouvoir utiliser la détente. Et parlons des pieds. Il faut savoir que durant cette grande guerre, 37 000 poilus ont eu les pieds gelés environ, un peu plus de 37 000. Et beaucoup d'entre eux ont connu l'amputation de doigts, d'orteils et disons aussi de pieds, vu les engelures graves qu'ils avaient encourues. Alors, pour bien commenter, disons, ce qu'ils ont enduré, je vais vous citer un texte de Maurice Genevoix, qui a connu le terrible hiver de 1415 aux Éparges, et aussi un texte, une lettre écrite par un soldat au mois de novembre 1914 à sa femme, qui était des Landes, et qui sera suivie par une lettre écrite par un officier allemand à sa sœur au mois de février 1916. Alors Maurice Genevoix, lors de son passage en l'hiver 14-15 aux Éparges, disait de cet hiver et de son ressenti, lorsqu'il revenait d'une mission ou d'une tranchée, qu'il réussissait à revenir donc dans sa cagna pour se reposer un peu. Mes moltières déroulées roulent sur le parquet, ma capote s'affaisse près d'elle. L'un après l'autre, motte lourde, mes souliers tombent. Tout cela fait un tas de boue qui fume à la chaleur du fourneau. Mes chaussettes fument au dossier d'une chaise, et sur la chaise fument mes deux pieds nus. Mes pieds sont bleus, de ce bleu qu'on voit aux nuages de l'été les soirs d'orage. Ils deviennent verts comme une chair de noyer. Ils deviennent rouges comme des parquets sur lesquels coule de la viande saignante. Mes pieds cramoisis fourmillent de démangeaisons brûlantes en gelure énorme. Ils commencent à bouillir. À présent, j'ai des jambes, mais je n'ose plus y toucher. Lettre d'un poilu écrite à sa femme le 25 novembre 1914, lorsqu'il était du côté de Reims. « il neige, et ce n'est pas l'aigle de France qui courbe la tête. Non, certes, on surmontera toutes les douleurs physiques et morales, et une bonne heure qui n'est pas loin sonnera où l'aigle de Prusse s'abattra sans vie sur les champs de bataille qu'il a voulu conquérir. Mon rhume est bien parti rejoindre ses ancêtres,
mais je crois que la grippe le remplace avantageusement. Je dois tenir cela de mon chef de service qui est malade et que je supplée tant bien que mal. D'où difficulté écrivatoire. Et puis le spleen nous ronge. La tristesse infinie d'une nature inerte qu'un manteau de neige de glace a endormi, avec ce début grippal, sont la cause de cet état d'esprit. J'ai reçu un nouveau colis de Bernadette et de Léontine, cigarettes, chocolat et machin pour les genoux, avec un long affectueux billet autographé. Je les remercie. On tâche de se défendre contre le froid, mais l'usure de nos frusques ne le permet pas toujours facilement. Mon baiser autour de toi, et tout particulièrement à toi, ma chérie, de ton homme qui t'aime bien. Alors, lorsqu'on analyse cette lettre, il parle bien sûr d'écrivatoire, un mot qui n'existe pas, mais qu'on ne va pas considérer comme une faute de français, parce qu'il a voulu décrire l'écrivain et l'écritoire. Quand on parle de machin pour les genoux, c'est simplement des genouillères qu'il a voulu parler. Car il était fréquent que les poilus demandent ces genouillères pour protéger non seulement les articulations, mais aussi pour protéger le pantalon qu'il couvrait cette articulation, puisque finalement ils étaient aussi, bien souvent aussi, à genoux. Alors, ce poilu raconte bien en peu de lignes, donc son état d'esprit de l'époque lorsqu'il affronte cet hiver qui est pour lui peut-être nouveau dans cette région de Reims, de l'est de la France, puisque ce poilu, il est des Landes. Alors, du sud-ouest au nord-est, c'est quand même pas la même température à la même saison. Alors, du côté allemand aussi, on a froid. Et là, je vais vous lire l'extrait d'une lettre écrite par le lieutenant Bordeschig, le 24, sur le front, le 24 et le 25 février 1916. Mais il ne dit pas où il est. Peut-être est-il finalement ici, sur le front de Verdun. Tous les 8 jours, je dors une fois sans mes bottes. Tous les 10 jours, je change de chaussettes et je reçois ma solde de 5,30 marques. Je dors toujours habillé, les pieds enfoncés dans un sac, le manteau par-dessus, puis recouvert d'une couverture de laine où je m'enfouis entièrement dessous. Pour nous asseoir, nous avons au mieux une caisse, mais le plus souvent, rien du tout. Nous nous asseyons par terre sur la paille. Dans notre groupe, nous allons chercher notre café dans une batterie de cuisine française. C'est très grand et chacun se sert lui-même avec sa tasse souillée. Personne n'a peur de la crasse. On s'y est habitué, on rince, on boit et on se lave dans l'eau des tranchées. Je ne peux me laver que tous les 2 jours. Tu devrais voir nos latrines, elles sont à mourir de rire. Un simple tronc de bouleau où l'on est aligné derrière contre derrière et qui offre un chemin principal, une belle vue. Nous avons eu si peu de pain cette semaine que la plupart ont déjà mangé leurs biscuits de secours. Donc on se rend compte des conditions de vie de part et d'autre qui partagent finalement cette guerre qui fait souffrir autant l'adversaire que nos compagnons. Et pour terminer, je dirais, d'après une lettre que je ne lirai pas ici, mais d'un soldat qui parle de la boue, car les tranchées sont remplies d'un certain cloaque, cette boue qui gèle et qui dégèle, et qui arrive pratiquement des fois dans certains endroits jusqu'aux genoux, où les poilus n'osent même pas sortir faire leurs besoins à l'extérieur des tranchées, de peur d'être tirés comme des lapins. Donc ils vivent dans cette odeur d'un cloaque rempli bien souvent aussi d'urine. Essayons d'imaginer finalement ce qu'ont enduré ces braves gens. Alors, si on s'imagine vraiment ce qu'ils ont enduré, cessons de nous plaindre parce qu'il fait de temps en temps une petite gelée.